Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. La République démocratique du Congo se prépare pour les échéances électorales ici en République démocratique du Congo. Dans le même optique de l'idée, mesdames et messieurs, l'Église du Christ au Congo s'est préparée depuis le dimanche dernier pour les synodes national extraordinaire électif ici. De ce fait, nous sommes aujourd'hui le 12 samedi 12 août 2023. Le nouveau président vient d'être élu, président national de l'Église du Christ au Congo, représentant légal de l'ECC. De ce fait, top 243 en édition spéciale pour comprendre les déroulements de ces votes ici et comment le représentant légal vient d'être élu. Ça s'est passé comment? Nous avons un représentant provincial pour la ville de Kinshasa. Monseigneur Mossi va nous livrer son impression en rapport avec le déroulement de cet événement. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que l'opinion nationale, tant internationale, peut retenir à l'issue de ces jets démocratiques qui va donner un mandat de 6 ans au président national de l'Église de Christ au Congo. Suivez. Tu as fait l'introduction de manière essentielle, mais comme je l'ai dit toujours, on rend grâce à Dieu, parce qu'au début, on avait expliqué ce qui devait se passer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est le samedi, on avait débuté l'ouverture le dimanche, nous clôturons demain dimanche, et tout s'est bien passé, se passe bien dans un climat que toi-même tu as constaté, parce que les journalistes, vous savez, des fois, quand vous voyez ce qui est réel et ce qu'on peut donner en apparence, vous signalez toujours. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout se passe de manière apaisée, comme frères et sœurs, et tout se déroule bien. Tout s'est déroulé bien, l'ambiance était vraiment bien planifiée, tout s'est bien passé. Qui étaient les adversaires phares du président actuel? Comment le processus sont entamés et comment d'autres ont jeté l'éponge et les trois ont accepté de céder la voix au président réélu, parce que Bokundo André Gédéon vient d'être réélu pour la deuxième fois pour son mandat consécutif pour diriger les destinées de l'ECC. Bon, moi j'aime pas toujours trop parler des adversaires, bon c'est un langage que les autres comprennent facilement, mais nous à l'église on dit des frères et sœurs. Quand la parole de Dieu déclare il est agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble, en fait ce sont ses frères, et il y a aussi d'autres qui ont été élus devant le bureau avant, mais au moins l'Église, dans la fraternité, l'amour, l'esprit démocratique, j'ai aimé le parallélisme que tu as pu faire avec les élections qui se pointent au pays. Et avant de dire un mot sur ce que tu as dit, ma prière, mon vœu, mon souhait est que pour le pays, ça soit aussi ainsi. Parce qu'on sent un peu de tension, mais pour le pays, ça soit dans cet apaisement. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de divergence entre nous, mais tout se passe dans la transparence. Mais on sait que, comme tu as vu toi-même, à différents niveaux, les gens qui, à la fin des comptes, les dévolus n'ont pas été jetés par les autres frères et sœurs sur eux, les ont reconnus clairement, fraternellement. Donc, au fait, on a élu un président national qui est André Gédéon Bokundo, mais on a élu aussi un premier président, vice-président national, qui est Papa Matesso, et puis aussi un deuxième vice-président, qui est Papa Kalongé. Et l'Église a un système très intéressant. C'est pourquoi vous dites, je vous dis qu'on ne parle pas des adversaires, tels qu'il y a la situation de foi en politique, mais ça peut faire un modèle, parce que l'Église, tous les délégués sont libres de désigner qui ils veulent. D'abord, on ne dépose pas de candidature. Donc, les délégués choisissent en intention de vote. Et les intentions de vote se transforment avec les trois premiers en candidats. Et ce qui fait que quand les trois premiers, à tous les niveaux, que ce soit le président national, premier vice, deuxième vice, l'écart était tellement énorme que même si on mettait les restes de voix ensemble, ça ne pouvait pas aller. Et dans la fraternité, comme je disais, de frères et sœurs, chacun, vous avez été témoin, désisté, parce qu'on sent que la volonté de Dieu à travers les délégués s'était déjà manifestée. Donc, dans le système, on a des fois une dizaine en intention de vote, on a des fois
presque une dizaine, 7 ou 8. Mais dans l'ensemble, par exemple, le président Bokundo a eu plus de 300 voix, le premier vice plus de 300 voix, le deuxième presque 300 voix sur 400 et quelques moins de 450. Donc ça ne valait même pas la peine de passer au vote. Et les autres que je salue, je félicite, même s'ils peuvent avoir des idées différentes, on reconnaît cela. Et pour nous, c'est une fête. Et vous voyez le climat dans lequel nous nous trouvons. Certains ont même cru que c'est terminé hier parce qu'on a voté. Et pour la première fois, on a fait ces élections la journée, le matin. Souvent, c'est très tard et l'ambiance était bonne. L'ECC est composé de plus de 90 membres. Est-ce que le processus de ces votes se fait par combien de représentants qui doivent voter normalement le président? Est-ce que c'est deux personnes, trois personnes par délégation qui doivent voter ou comment ça se passe? Merci beaucoup. Ça, c'est ce que j'aime chez toi. Quand tu es crié, tu poses des questions, on essaie d'expliquer. Parce que les gens font de confusion, et surtout quand vous voyez comment ça passe au pays, quand il y a des élections. L'Église a ses manières de faire. Et au fait, chaque communauté membre de l'ECC ayant un numéro vient avec 4 délégués. Répartis de sorte qu'il y a un représentant légal, mais il y a également président des mamans, président des jeunes et président des Milapro. Et à côté de ces délégués, il y a les provinces. L'ECC a 11 provinces. Les pays administrativement 26 provinces, nous sommes à 11. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours plaidé qu'on garde à 11. Vous voyez même les venins que nous avons maintenant de séparatisme, de tribalisme. On ne peut pas suivre les découpages administratifs. Les amis catholiques, nos frères et sœurs catholiques ont encore 6 provinces. Donc ça aide aussi à montrer l'unité où les gens peuvent être ensemble et travailler dans ce sens-là. Donc, au niveau des provinces, les 11 provinces amènent 5. J'ai dit les communautés amènent 4 délégués votants et les provinces, les 11, amènent 5 en raison du président provincial, président des mamans, président des jeunes, président des papas, il y en a, et de Milapo. Milapo, c'est un peu l'ensemble des laïcs qui étaient en réunion dernièrement. Ils ont élu notre estimé papa Norbert Basengezi, qui est président des laïcs au Sud Kivu. Donc, à côté de cela, nous avons également les organismes associés. Et viennent avec un délégué. Et aussi les bureaux, et puis les anciens présidents. Notre estimé papa Marini est comme président vivant. À voter, et puis il y a les anciens modérateurs. C'est l'ensemble de tous ces gens-là qui constituent le corps électoral de l'Église et qui a fait cet exercice dans la fraternité, et nous continuons dans la paix. Mesdames et messieurs, nous venons de trouver le point saillant qui a constitué le deuxième mandat consécutif au président national de l'Église du Christ au Congo, Gédéon André Bokundoa, qui va encore conduire les destinées de cette grande église, la deuxième hormis l'Église catholique, l'Église protestante occupe deuxième place en République démocratique du Congo. Nous venons de prendre le président provincial Kinshasa, l'ECC, Monseigneur Mos, qui nous a éclairci. Nous allons continuer dans cet élan de l'édition spéciale, comprendre comment les élections s'est fait au sein de l'Église de Christ au Congo, contrairement à l'Église catholique qui commet souvent des nominations par les Saint-Sièges. On poursuit, on va juste revenir après. Tout d'abord, nous remercions le Seigneur, notre Dieu qui est maître de tout, qui a pu permettre à ses enfants d'être ici dans cette cathédrale du centenaire pour pouvoir participer pendant 5 jours. Il nous reste, comme vous veniez de le dire, il nous reste un seul jour. Mais ce que l'opinion peut retenir est que vraiment nous avons vu la main du Seigneur. On ne s'y attendait pas parce que tout le monde croyait qu'il y aurait des désordres et tout ça. Mais ça dépend tout simplement de la manière dont nous avons pu informer, nous avons pu conduire cette masse à arriver à procéder à ces élections. Vous savez, élire un président et ses deux vices dans moins de 4 heures du temps, c'était un travail formidable que tout le monde s'est étonné. Moi-même aussi, je croyais que ça allait nous prendre du temps, mais
j'avais l'impression toujours que le Seigneur était en train de nous conduire. C'est ça ce que je demande à l'opinion, de voir que le Seigneur est avec nous. Et il est avec le nouveau président qui va conduire cette grande église du Christ au Congo. Les critères, d'abord il faut être un pasteur ordonné, et puis un pasteur de formation, un théologien. Il faut être aussi âgé de moins de 60 ans, parce qu'à 75 ans, on doit laisser, parce que le mandat de 6 ans. Alors, si on est âgé de 70 ans et qu'on arrive à 74 ans, on doit absolument quitter. Et puis, l'autre critère, c'est être quelqu'un qui assume et qui a un bon témoignage. Parce qu'il faut un bon témoignage de la communauté. Et vous voyez que quand on a élu les vices, même le président, parce que le président, son rapport était déjà un témoignage. Et tout le monde a vu qu'il était un homme formidable, qui a présenté un rapport et qui a pu convaincre tout le monde. C'est ce que nous voulons, et même pour les vices, pour cette fois-ci, nous voulons que tout le monde travaille pour le développement de cette grande église. Les lecteurs sont tous ceux-là qui sont venus, qui sont membres des communautés qui appartiennent à l'ECC. Ce ne sont pas toutes les communautés, parce qu'il y a d'autres communautés qui ont des problèmes. Ceux-là qui viennent de ces communautés ne peuvent pas participer, mais nous avons les membres qui viennent des communautés éligibles, des communautés qui sont membres de l'ECC. Ils étaient plus de 9. Mais ils sont restés en 3, comme le dit notre Constitution. Quand il y a compétition pareille, nous prenons les 3 qui ont gagné plus de points. Ils étaient en 3 et les 2 autres se sont désistés en faveur toujours du premier. Et les 2 se sont désistés en faveur du premier. Processus électoral au sein de l'Église de Christ au Congo, ça se poursuit ici en direct au sein de la paroisse internationale protestante de Kinshasa, le lieu où le représentant légal, le président des organismes associés à l'Église de Christ au Congo vient de donner mandat au président réélu, le révérend docteur André Bokundua. Nous venons de vous montrer comment le modérateur du synode national vient de s'exprimer également. Le président provincial de l'ECC Kinshasa s'est exprimé. On prend la présidente de maman de l'église du Christ au Congo national. Elle va s'exprimer sur le déroulement de cet événement et jusqu'à ce qu'on a abouti à voir le nouveau président qui va diriger les 6 prochaines années au sein de l'ECC. Bonjour maman Lala. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Comment les votes se sont déroulés pour toutes les mamans, membres de l'ECC et ceux qui ne sont pas membres? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'à l'ECC, la démocratie est devenue un système qui a commencé depuis longtemps, que ce soit auprès des mamans, comme au niveau du synode en général. Tout s'est fait dans la transparence la plus totale. Hier, ceux qui étaient là ont pu voir comment les votes étaient faits sur une transparence avec transmis en direct d'ailleurs à travers le monde. Donc nous bénissons Dieu que tout s'est bien passé. Et l'Esprit de Dieu était là. Souvent pour des synodes électifs comme ça, il y a souvent des tiraillements. Mais cette fois-ci, on a vu que tout s'est passé dans le calme. Et nous sommes vraiment très ravis de ce que Dieu a fait. Les mamans également ont renouvelé leur pouvoir législatif sur vous, c'est-à-dire les mamans protestantes de l'Église de Christ au Congo ont jeté encore leur dévolu sur vous en tant que présidente nationale des départements des mamans au sein de l'ECC. Comment vous avez senti ces jours? Pour moi, c'est vraiment une surprise parce que j'étais déjà prête à partir, conformément à nos textes, mais
les mamans ont presque supplié pour que je puisse encore continuer. Et j'ai trouvé ça comme une la volonté, j'ai accepté ça comme étant la volonté de Dieu et une grâce pour moi de continuer à servir les mamans. Je les remercie pour ce qu'elles ont fait et je pense que Dieu va nous conduire encore pour ce mandat qui commence maintenant, pour 6 ans, si Dieu nous prête vie. Et je demande à ce que ces mamans-là nous soutiennent et nous accompagnent dans cette mission, cette lourde tâche. C'est la 4e fois qu'on vous élit comme présidente des mamans. Je crois que c'est la 4e fois. La 4e fois. Maman Lala, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on se poursuit ici. On va finir pour prendre progressivement tous ceux qui ont participé à ces processus électoraux pour élire les dirigeants qui vont conduire les 6 prochaines années pour les destinées de l'Église de Christ au Congo. Restez connectés. Édition spéciale, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs du groupe Mediatop 243 News, spécial deuxième mandat. Au président national et représentant légal de l'Église de Christ au Congo, nous sommes en direct à la paroisse internationale protestante de Kinshasa. Vous avez suivi quelques interventions par le biais de l'interview à chaud ici le lendemain de l'élection pour son deuxième mandat, le révérend docteur André Bokundoa. Il est également le ministre titulaire de la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Nous allons prendre l'un des pasteurs permanents ici, les responsables de la radio de l'Église de Christ au Congo, le révérend Alfred Kiboba. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Le déroulement de ces élections ici, de ce vendredi 11 août 2023, comment cette ambiance se sont déroulées ici? Oui, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé du premier jour et jusqu'à la fin de les assises du Synode national. Et tout s'est bien passé, je pourrais dire que c'était par la grâce de Dieu. Et pour une première, et depuis que les aînés ont eu à instaurer ce système, surtout des élections au niveau national, que ça puisse se passer à la journée. D'habitude, on avait, on les suivait par, et ça ne s'est passé même pas aussi sur et les antennes de l'Église, parce que l'Église aussi a sa radio et sa télévision. Et cette fois-ci, c'était vraiment spécial et nous rendons grâce à Dieu, surtout aux efforts du président national de l'Église du Christ au Congo, réélu pour un second mandat. Ça s'est très bien passé, le Seigneur était au rendez-vous, je pourrais dire, malgré toutes les tractations qu'il y a eu tout autour de ces élections. Il y a eu pas mal, peut-être des gens qui ont eu à parler sur d'autres choses qui n'étaient pas si réelles. Mais le Seigneur a montré comment il était favorable que les choses puissent se passer, lui étant fidèle, et ça s'est très bien passé. Avec toute transparence, nous avions vu comment les délégués ont eu à voter, comment chacun d'eux a eu à faire son choix sans pour autant que l'on puisse les forcer. En tout cas, c'était libre et transparente et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Oui, étant donné que le mandat du président national est de 6 ans, et ce n'est pas seulement le président national, on élit également les premiers vice-présidents nationaux et les deuxièmes vice-présidents nationaux. Donc les élections s'étaient passées dans cette optique-là. Et aussitôt élu, d'abord les princes de l'Église commencent par le vote par intention. Le vote par intention, et on choisit des noms au hasard. Chacun cite les noms du candidat qu'il veut, qu'on puisse soutenir, qu'on puisse voter. Et les gens ont eu à s'exprimer. Il y a eu des noms qui sont sortis. Maintenant, et après ce vote-là d'intention, on choisit les 3 premiers noms. Et parmi tous les noms qu'on a eu à proposer, les 3 premiers noms, et on sélectionne à partir de ces noms-là. Et les noms
pour faire voter, pour qu'on puisse voter celui qui sortira encore le premier, et c'est celui-là qui est choisi comme président national. On vient aussi au second tour, on fait des intentions de vote, et les gens choisissent des noms et pour le poste du premier vice-président. Et c'est ça qui a été fait. Et je crois que la troisième étape aussi était pareille pour le deuxième vice-président. Donc, on n'a pas imposé un nom, on n'a pas sollicité un autre nom ailleurs par rapport au nom de ce que les participants ont eu à choisir et voter. Voilà comment les choses se sont passées. Et je crois que ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne de l'Église, ils pourraient aussi, sous ces plateformes, ils pourraient revisualiser les images pour voir ce qui s'était fait. Merci pour Top 243 pour la promptitude que vous aviez pour faire passer aussi les messages. Je crois qu'ils ont vu tout ce qui s'était passé, c'était d'une manière transparente. Merci Pasteur. Ça se poursuit ici dans le cadre de vous informer sur les déroulements des élections au sein de l'Église de Christ au Congo. L'élection au sein d'une communauté de l'Église n'est pas comme ce qui s'est fait ailleurs, mais Top 243 vous fixe les rendez-vous, les caps pour le 20 décembre pour observer ce qui va se passer également en République démocratique du Congo. Je pense que Pasteur, vous avez un mot à donner aux politiques qui vont passer aux urnes. Ce n'est pas moi qui ai l'aval de donner les mots pour les politiques. Moi, je sais que les élections se sont passées au sein de notre église protestante et nous avions vu comment les choses se sont passées. Nous souhaitons aussi que ça se passe également comme il se doit pour notre pays, la République démocratique du Congo. Bonne chance à tous ceux, celles qui auront à postuler pour être élus. Je crois que nous avons confiance que les choses se passent comme il faut et nous comptons au Seigneur. Et bonne chance à tous les candidats à la présidence de la République et que les meilleurs gagnent et que la paix puisse régner dans notre pays. Vous nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Merci pour votre confiance de nous suivre sur votre groupe média Top 243 News, également www.top243news.com. Comment gérer dans un pays les rôles de l'Église dans une société en crise? Tel est le thème qui a été émis pour ce synode, 19e synode extraordinaire électif ici en direct au siège de la cathédrale premier centenaire protestant. Et à l'issue de cet exercice démocratique qui vient d'entrer au sein de l'Église, qui a eu le renouvellement des princes de l'Église par le biais du président national de l'Église de Christ au Congo, André Gédéon Bokundoa. De ce fait, nous venons de prendre quelques réactions à chaud. Nous allons passer également avec celui dont les jeunes ont renouvelé leur confiance à la personne de Maître Willy Massaka, président national de la jeunesse de l'Église de Christ au Congo. Président, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et nous sommes très heureux pour cette bonne nouvelle que nous annonçons, la réélection de notre aigle, président national de l'Église du Christ au Congo, révérend André Gédéon Bokundoa. Nous l'avons avec conviction annoncé qu'il sera réélu. Nous avons travaillé et il faut retenir que avant d'arriver aux élections du président national et ses adjoints de l'ECC, on commence d'abord avec les congrès électifs des fédérations et Milapro. En date du 27 au 29 juillet, la jeunesse protestante a organisé son congrès électif à l'issue duquel on a été élu président national de la jeunesse protestante avec tout mon comité directeur. Après, c'était aussi les tours de maman. Après le maman, c'était le papa. Après le papa, d'ailleurs, ce sont les papas qui ont commencé le 24-25.
et la jeunesse a pris possession de son congrès électif. Après la jeunesse, c'était les tours de maman, les mamans, et on s'est retrouvés au niveau national. Au niveau national, précisément, pour toutes les CC. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Les élections du président national de l'Église du Christ au Congo, ce n'est pas quelqu'un qui peut se revendiquer et se dire « Non, moi, je deviens président. » Non. La première chose à faire, c'est les intentions de vote. On a procédé d'abord aux intentions de vote pour le poste du président national de l'Église du Christ au Congo. Ben, imaginez-vous quelqu'un qui a brillamment réussi à présenter son rapport qui a été applaudi et où tous les membres, les délégués étaient très contents. Alors, lorsque nous sommes arrivés hier à la phase des élections, première phase des intentions de vote, nous sommes retrouvés que sur 446 voix, le révérend André Jedom Bokondo avait déjà 308 voix. Allez-y comprendre, celui qui venait juste après lui avait 93 voix. Il n'y avait pas la possibilité de continuer avec les élections, disons, dire qu'il faut, comme la loi l'indique, que trois candidats doivent se présenter pour conclure le poste. Et il avait déjà une majorité écrasante. Et c'est ce qui a fait que toute l'Assemblée l'a voté et comme président national de l'Église du Christ au Congo pour un nouveau mandat de 6 ans. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre fin à cette édition spéciale basée sur la réélection du président national de l'Église du Christ au Congo. Top 243 News vous a livré l'essentiel de l'information de ces week-ends ici en direct de la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Les thèmes qui ont été exploités au cours quand même de ces synodes, de ces 19e synode électif ici, c'est le réveil de l'Église dans une société en crise. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo se prépare pour passer aux échéances électorales à tous les niveaux, c'est-à-dire les élections municipales, provinciales, nationales et présidentielles. Tout s'est passé ici, l'aide de l'Église, le rôle que l'Église devait jouer également dans le processus électoral apaisé en République démocratique du Congo était primordial. Vous venez de suivre cette ambiance, les interviews qui a donné l'accès à comprendre comment les élections se déroulent au sein de l'Église du Christ au Congo. À très bientôt dans un nouveau numéro d'Actu. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.